Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter le prix exact officiel du nouveau DLC 5 de Zombie Chronicles, donc Call of Duty Black Ops 3. Alors tout simplement, vous allumez votre console, vous êtes sur votre profil, vous faites flèche du bas. Ensuite vous allez dans Call of Duty Black Ops 3, donc dans votre jeu. Ou alors vous tapez carrément dans le PlayStation Store Call of Duty Black Ops 3. Ensuite... Moi je vais juste descendre. Je descends tout en bas de mon jeu. Je vais dans PlayStation Store. Et là directement vous pouvez déjà voir le prix, qui est de 30€. Call of Duty Black Ops 3 requis pour utiliser ce contenu. Donc là bah bam, je clique sur X. Voilà, là il va me diriger vers le PlayStation Store. Donc là de là je peux le précommander. Donc voilà hein. Alors là maintenant je vais vous montrer comment faire. Si vous n'avez pas encore le jeu, ben vous allez dans le PlayStation Store, tout simplement. Alors, vous allez dans Recherche. Et dans Recherche, vous allez taper Black Ops, Black Ops 3. Voilà, vous tapez juste Black, ça suffira. Hein. Voilà, Black. Après, vous allez dans le premier, Call of Duty Black Ops 3 Digital Deluxe, on s'en fout. Vous prenez n'importe lequel. Ensuite, vous descendez en bas, vous descendez tout en bas. Ah non, vous n'allez pas tout en bas, vous allez à droite et vous allez sur la page de jeu. Parce que là moi j'ai pris Black Ops 3 Digital Deluxe et en fait ça m'a mis sur une autre page. Donc là quand vous êtes sur le Gold Edition, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et là vous avez le DLC Zombie Chronicles de Black Ops 3. Donc voilà, il coûtera 30€, moi je l'achète maintenant de suite. Donc nous allons détruire voilà, accepter date de disponibilité prévue le 16 du 5, ouais bien sûr, ok on accepte, ok j'ai un délai de 14 jours si je veux annuler la précommande, mais ça on s'en fout, on va sûrement pas l'annuler, hop, confirmation d'achat, ok, précommandé, payé, continuer le shopping, donc il sera disponible dans 7 jours, 10h, 52 minutes, donc je vous mets la pré-screen, parce que je peux pas filmer, hein, j'ai pas de HDPVR. Donc là je continue le shopping. Et je vais aller voir donc précommande, paiement immédiat requis, Call of Duty. Donc là je vais lire ce qu'il est mis. Donc on a un thème dynamique zombie. Donc Zombie Chronicle inclut 8 cartes zombie classiques remasterisées de Call of Duty. World at War, Call of Duty, Black Ops, Call of Duty Black Ops 2. Il s'agit de cartes complètes. Des cartes complètes de la saga d'origine entièrement remasterisées en HD et jouables sur Call of Duty Black Ops 3. Découvrez la collection des cartes remasterisées et plongez dans l'expérience zombie d'abord sur PS4. Ok, donc exclusivité PS4. Alors il y aura 3 cartes de Call of Duty World at War, donc l'Archer Totem. Ben voilà, ça c'est ce qui était déjà prévu. Donc achat dans le jeu en option. Hein. 1 à 4 players, ouais, 1080p, téléchargement. Ok, voilà, j'ai tout lu. Il parle pas de cartes d'agent, mais à mon avis, ça on les débloquera quand on lancera le jeu. Hein, parce que il y avait des foot qui disaient qu'on avait des cartes d'agent. Donc, déjà, on a un thème dynamique et on a les DLC. Donc, pour 30€. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, c'est officiel. C'est 30€, ce sera pas 1€ de plus, c'est vraiment 30€, pas 1€ de moins non plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si vous avez des informations supplémentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos de photos. Allez, ciao, peace.